tous. Et ça fait pratiquement jour pour jour 9 ans que je me suis lancé en politique. Et ça fait un an, peut-être 6 mois que je suis adjoint au maire. Je me souviens une fois en pleine célébration, il y avait des gens qui ne s'entendaient pas. Il y avait un souci. Au niveau de, je pense qu'on avait dit quoi? Quand il fallait embrasser la mariée, voilà. Et alors la dame, étant timide, refuse d'embrasser le gars. Elle refuse d'embrasser son mari. Bon, elle embrasse, mais en le repoussant. Le gars, lui, quand il s'asseye, le gars, le monsieur se fâche. Moi, ça dit que tu vois que tu es même devant les gens, tu me fais ça. De toute façon, je t'attends à la maison, tu vas voir ce que je vais te faire. Je regarde le coup, je suis stupide. Qu'est-ce qu'ils sont en train de se faire? Le jour de votre mariage, je regarde les témoins, personne ne voit. Je regarde les chefs de famille, personne ne voit. Je regarde l'assistant, tout le monde rit, tout le monde est bavard. T'as dit que je suis moi. Un coup qui a dit ce mari, la tension était perceptible. Il dit que attendez un peu. Levez-vous. Il se lève, il commence à danser. Il commence à danser. Avec la mariée que monsieur me venait danser avec nous, voit que monsieur levé. Et le bien que monsieur levé, j'ai fait le bras comme ça, tout le monde a commencé à crier. Hey, j'ai encore fait le bras, on va dire que. Hey, j'ai encore fait le pion, on va dire que. Hey, que. Ah. Donc, il y a quelques secondes, c'est pour ça que ça a commencé à lui faire. Et chaque fois, et puis c'est comme ça que c'est parti. Hein. Viens. Okay. Quel fait, c'est sûr que vous avez suscité beaucoup de mariages. Ah ouais. Beaucoup de jeunes, ça c'est sûr. Ah, chacun apporte sa petite pierre à l'édifice, non? Ça c'est tant mieux. Ce ne sont pas les Chinois qui vont changer le Cameroun. Non, c'est les Japonais qui vont changer le Cameroun. C'est difficile, on oublie un peu le complexe et puis on se lâche. Ouais. Tant mieux. On voulait juste saluer les dynamiques. Merci, c'est gentil. On est arrivé. On sera ensemble. Quand on est au Cameroun, nous sommes ensemble. On est ensemble. Okay. Bien bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Je me suis renseigné chez mes propres et mes prédécesseurs pour savoir pourquoi les gens viennent se marier en haut de deuxième. Ils m'ont fait comprendre que tous ceux qui sont venus célébrer leur union en haut de deuxième ont toujours vécu heureux et ils ont eu beaucoup d'argent. La deuxième condition, tout le monde la connaît. C'est la seule mairie au Cameroun, dans les cieux et sur la terre, il y a un maire danseur.
il faut apprendre à respecter sa belle famille. Il y a les gens qui l'ont tenu la main, il y a les gens qui ont payé son école, il y a les gens qui l'ont aidé, il y a les gens qui ont souffert quand elle était malade, il y a les gens à qui elle a donné des insomnies. Et par rapport à ces gens, vous les devez du respect. On dit généralement en Afrique, lorsqu'on épouse un homme, on épouse sa famille. Vous ne pouvez pas prétendre aimer votre homme et ne pas aimer sa famille. C'est la comédie. Et vous ne pouvez pas non plus aimer votre femme et ne pas aimer sa famille. Ça, c'est une autre forme de comédie. On dit qu'il aime la mère poule, aime les poussins. Il y a un proverbe dans la Bible qui dit, l'homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et la femme qui a trouvé le mari, Madame Ongene, qu'est-ce qu'elle a trouvé? Le bonheur aussi. Le bonheur. Que ce bonheur vous accompagne durant votre longue vie de couple. Heureux mariage. Don de la loi. Et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare, Monsieur Ongene, Ongene, bienvenue Alain, et Mademoiselle Océane, bon mari, Madeleine, unis dans l'encercle du mariage, mari et femme.